pique-nique. Le pensionnat de jeunes filles est en pique-nique. Et vous voyez qu'on ne pique-nique pas n'importe où, puisque nous avons une vue magnifique sur le Mont-Saint-Michel. La seule personne qui départ dans le groupe, c'est Coqueluche. Notre Maëlla extraordinaire. Notre Maëlla extraordinaire qui se trouve tellement belle qu'elle se casse le visage. L'autre là-bas, là, c'est pareil. Il veut pas qu'on le voit. Notre kéké national, complètement planqué, pour ne pas qu'on le voit. La coqueluche. Et vas-y, que je te tousse et que je te tousse. J'ai pas la coqueluche. Les gens vont croire que j'ai la coqueluche. Mais oui, elle a la coqueluche. Tout le monde le sait que t'as la coqueluche. Vu que tu fais un télescope. Oui. Gaëlle, elle a trouvé la place idéale pour ne pas avoir le vent. Elle. Bon, nous sommes à quelques kilomètres, à peine deux du Mont-Saint-Michel. Ah bon ? T'as pas cru ? Alors Kéké qui s'est entraîné comme un dur ce matin. À la dure. Il s'est arrêté pondre naturellement, comme il fait d'habitude. Il ne peut pas faire 2 km sans s'arrêter pondre. Comment dire 5 km. Mais la honte quoi. Alors pendant que certaines font la sieste, les autres zozotes sont dans le bahut en train de faire les folles. Hey, on veut dormir, nous. Et chanter. C'est compliqué de faire la sieste quand même là. Alors il y en a une qui est sur son téléphone. Alors l'autre aussi. Nos deux cocos là. Hein. Augustin, lui, il est en train de dans ses pensées. Je sais pas à qui il pense. Et l'autre là-bas, il a enlevé ses lunettes extraordinaires. Hein? Le kéké national. Ouais, c'est ça. Notre kéké national, lui. Il se plante. Ah, putain, c'est ça. Hein? Ceux qui ont les cheveux dégueulasses qui se les lavent jamais, c'est-à-dire Kerian. Arrête, tu me demandes pourquoi j'ai un peu. La star.